je vais te l'allumer. Au couteau. Hop, j'ai pas pris. Tu vas t'allumer à celle que je t'ai allumée. Non, tu t'allumes ou quoi là? Juste en arrière. Est-ce que ça risque de d'éclater un peu? Alors, chacun d'un côté. Hein. Attention, Nadia. Et le papier, uniquement le papier. Voilà. Non, non. Sur le papier dans le jardin hier. Ils ont fini? Non. Catherine a fait un feuille. J'ai fait un grand feu. Ah, bah voilà! Il n'y a rien. Reprends-en, reprends l'arrière de la flamme. Tu vas voir. Non, mais tu le laisses un petit moment. Mais ça te brûle. Alors, prends de ton frère. Prends la flamme de ton frère. Non, il ne faut pas faire du béton si ah, oui, il est moins zéro. Tout va s'éteindre comme ça. Une allumette, il faut toujours la tenir comme ça, à l'envers. Comme ça? Oui. Parce que le bois peut brûler, tandis que si tu la tiens en l'air, elle n'a plus rien pour combuster. Tu comprends? Elle n'a pas d'énergie pour continuer. Oui, elle n'a plus de combustible. Par contre, elle n'a pas de façon de faire les lames. Oui, aussi. Ça, c'est un détail con. Oh, je crois que c'est pas la peine, regarde comme il prend bien. On peut la changer aussi. Voilà. Oui, tu peux. Tout ce que tu veux. Voilà. Maintenant, le feu, tu vois, marche très bien. Il n'a même pas fumé. Fantastique. Super. Voilà. J'étais dans un état extraordinaire avant ton arrivée. Anniversaire. Joyeux anniversaire, Vladimir. Joyeux anniversaire. On va chanter les chansons de marraine. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques bougies t'apportent le bonheur, que la vie entière te soit douce et légère, et que j'en finis, nous soyons tous réunis pour chanter au cœur. Bon anniversaire. J'ai des choses à te dire, Vladimir. Les choses sont pareilles. Mon Vladimir chéri, ce n'est pas seulement de peau que tu as changé depuis 7 ans que tu es né. Tout s'est transformé, enrichi dans ton cœur, dans ton âme, dans ton intelligence. Aujourd'hui, écoute. Tu as atteint l'âge de raison. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit ou de répondre à n'importe quelle question, tu peux interroger ton cœur, ton âme et ton esprit pour savoir ce que tu peux réaliser de meilleur en action, en réponse, en raisonnement. Désormais donc, mon Vladimir, mon Vladimir est un commencement de grande personne. Il faut naturellement encore que tu suives les conseils de tes chers parents. C'est facile, tu as les meilleurs et les plus doués parents du monde. Mais maintenant, tu vas de mieux en mieux comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'ils feront de toi un homme à part entière et que cela, tu le voudras avec eux. Ta marraine essaiera de participer le plus possible à cette construction idéale parce qu'elle t'aime de tout son cœur et demande à Dieu de te tenir par la main toute ta vie. Ta marraine. Oh, bisous. Ah, bisous. Un bisou. Bravo. Ouais. Dire un bisou à ta marraine, il faut. Tu n'as peut-être pas tout compris, mais tu comprendras plus tard. Mon chéri, tu sais que je t'aime. C'est ça, à la vidéo. Voilà. En ce temps-là, on publia en édit de la part de César Auguste. Ordonnant.